C'était le principe de la charte, simplement de continuer dans le processus de la ratification qui peut prendre un peu de temps selon les pays. Alors, si vous prenez la charte, donc la charte, se dit complémentaire à la Convention relative aux droits de l'enfant, complémentaire en ce sens aussi qu'elle est basée sur la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie, le droit à la vie, la survie, le développement de l'enfant, la participation. Quelques différences simplement, enfin quelques différences, c'est la question donc de la responsabilité de l'enfant qui est incluse dans la charte africaine. Aussi, une autre différence, c'est le fait que la charte fait une place aux mères des enfants aux mères emprisonnées hein, des enfants, et aussi un peu plus strict dans certains domaines où on renforce un peu la convention relative aux droits de l'enfant dans certains domaines. Par exemple, la définition de l'enfant pour la charte africaine, elle est obligatoirement moins de 18 ans, alors que vous le savez, dans la convention, la CDE, elle varie. Ce n'est pas forcément les 18 ans, ça peut être moins. Donc, il y a un peu ces différences donc, qui ressortent des différentes de la charte. Alors, si je vais, peut-être je commencerai par l'article 11, qui en fait est relatif à l'éducation. Alors, que dit cet article 11? Je vais assez rapidement, sachant que les deux panélistes par la suite vont développer un peu plus pratiquement ce qui se fait dans ce domaine. Donc, tout enfant a droit à l'éducation et l'éducation de l'enfant doit viser à la promotion, le développement de la personnalité, promouvoir le respect des droits de l'homme, préserver et renforcer les principes de morale, de valeurs traditionnelles, de culture africaine positive, préparer l'enfant à une vie responsable dans une société libre, préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale, promotion et réalisation de l'unité et la solidarité africaine, développement du respect de l'environnement et des ressources naturelles. Seulement quelques exemples. Alors que dans l'article 17, qui a trait à l'administration de la justice pour mineurs, il est bien dit que tout enfant accusé ou reconnu coupable doit d'avoir enfreint à la loi pénale a droit à un traitement spécial d'une manière compatible avec le sens de la dignité, de la valeur de l'enfant et qui renforce le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autrui. Je sais que j'ai dépassé mes 5 minutes, mais tout juste simplement pour dire que, en fait, c'est un article assez important en ce sens que il donne aussi, il dit en fait ce que les États parties à la charte doivent en fait faire notamment pour les enfants en conflit, donc pour l'administration donc des mineurs et donc veiller à ce qu'aucun détenu ne soit soumis à la torture, à des peines de traitement inhumains ou dégradants. Veillez à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit dûment coupable, et ainsi de suite. Donc, ces deux articles assez importants, je pourrais dire, de la charte africaine, qui rejoint un peu ce que vous avez dans la Convention, mais avec des spécificités, comme je l'ai dit, beaucoup plus africaines, beaucoup plus adéquates au contexte africain. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup, Théophane. Puis on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus dans la séance de questions par la suite. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Zerbo et à Odon qui vont nous parler un petit peu du Cermicol qui est considéré comme un centre pénitentiaire, mais qui est vraiment un centre pénitentiaire, pas comme les autres. Donc, à vous la parole. Merci bien, Patricia. Merci pour la parole. Je suis, comme vous l'avez dit tantôt, je suis Zerbo Amidou, je suis le directeur du Centre d'éducation et de réinsertion sociale des mineurs
basé à Bobo-Dioulasso. Monsieur Zerbo, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, je vous entends. Allô? Oui, 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 on vous entend bien. Oui, OK. Merci pour la parole. Vous recevez la présentation, mes oui. diapos? Oui, vous pouvez passer à la deuxième diapo. OK. Et le tout premier diapo était vraiment une vue d'ensemble du cervicole. Les bâtiments, les différents bâtiments du cervicole. Le cervicole a été créé en octobre 1995. Oui, en octobre 2015. Bon, on passe au deuxième diapo, il n'y a pas de problème. Voilà. Je disais que le cervicole a été créé par décret pris en conseil des ministres le 6 octobre 2015. Un établissement pénitentiaire, comme vous l'avez dit tantôt, pas comme les autres, parce qu'il n'y a pas de clôture, c'est un établissement pénitentiaire ouvert qui reçoit les mineurs en conflit avec la loi, les deux sexes. Le centre a une capacité de 60 lits. Nous avons soit 48 lits pour les mineurs garçons et 12 lits pour les mineurs filles. Le cervicole est sous la tutelle technique du ministère en charge de la justice. Son objectif principal est de contribuer sensiblement à développer un système de justice juvénile restauratrice et de réadaptation au Burkina Faso, basée sur l'utilisation des mesures alternatives à la prison pour éviter que les enfants ne partent en prison, raison pour laquelle on a mis en place le cervicole pour permettre aux juges de favoriser ces mesures alternatives à la prison en faveur des enfants. On peut passer au diapo prochain. Oui, la mission principale des serviteurs doit également être de garantir aux mineurs en conflit avec la loi les mesures d'alternative à la prison, l'emprisonnement, la pleine réinsertion sociale par des opportunités d'apprentissage des métiers tels que la soudure, la menuiserie, la couture, la mécanique et l'électricité qui leur est offert. Diapo prochain, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, les enfants, les mineurs sont en plein exercice d'apprentissage dans les ateliers. Le moniteur est déjà là, l'atelier de soudure. Le prochain diapo également, il y a le moniteur de la menuiserie qui est là avec les enfants en plein apprentissage. Bon, c'est pour dire que le choix également au niveau de l'atelier se fait de façon délibérée par l'enfant. Il choisit lui-même le métier qu'il veut. Cela veut dire que quand il arrive, il fait le tour de tous les ateliers. Et après, avec un entretien avec le service social, il décide de choisir son métier lui-même et de commencer son apprentissage. Et à la fin du séjour de l'enfant également, il est accompagné par un projet de réinsertion sociale qui est mis en place par le service, l'équipe éducative qui va l'accompagner. Et le mineur également, à la fin de son séjour, est placé dans la ville d'origine, dans un atelier que nous avons au préalable recherché avec l'appui de ses parents pour lui permettre de suivre sa formation une fois et placé en milieu ouvert. Et la fin de la formation également est sanctionnée par un rapport qui est dressé par un éducateur spécialisé qui suit depuis son atelier d'origine. Et également, l'enfant est accompagné par un kit d'installation pour lui permettre de s'installer. Avec l'arrivée des coopérants, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je vais vous parler un peu des résultats de l'état des lieux de fonctionnement des cervicoles avec les volontaires. Il y a eu la nécessité de renforcer la participation de l'enfant à toutes les actions et le fonctionnement du centre. Donc, et également avec l'appui des volontaires, ils ont introduit la notion de sanctions positives pour encourager les enfants à observer les règles de bonne conduite du centre et une façon pour les enfants de respecter réellement les règles régissant le centre. Également, les enfants sont impliqués dans les travaux à travers le comité qu'on a mis en place, le comité des enfants qui a été mis en place grâce aux coopérants et ces enfants également, ce comité participe
à notre comité de gestion du CERMICOL et pratiquement à toutes les décisions qui concernent les enfants. Ce comité est impliqué dans toutes les décisions qu'on va prendre et qui concernent les enfants. Passer au prochain diapo. Oui, je pense que c'était la dernière diapo, Monsieur Zerbeau. OK, OK. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne sais pas si Odon voulait ajouter quelque chose sur le comité qui a été mis en place. Oh, Odon, vous êtes sur mute. Voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Donc, voilà, M. Zerbeau a présenté le CERMICOL. Mais il faut dire que lorsque nous sommes arrivés, donc les coopérants, nous avons fait un tour du travail important que réalise le CERMICOL. En tout cas, personnellement, en tant que Congolais, je n'ai pas vraiment trop vu de centre au Congo du genre du CERMICOL parce que les EG qui existaient chez nous ne fonctionnent presque plus. Donc, nous avons fait un tour de service et du fonctionnement du CERMICOL. Et nous nous sommes rendus compte que le CERMICOL n'impliquait pas trop les enfants, y compris dans le fonctionnement du CERMICOL, que dans les activités qu'ils menaient. C'est ainsi que dans l'état de lieu, nous avons proposé notamment qu'ils puissent assurer la participation des enfants dans toutes les activités que les CERMICOL d'enfants. Nous avons proposé la mise en place d'un comité des enfants, comme M. Zerbeau l'a dit tout à l'heure, et avec l'aide du service social, au moment où nous vous parlons, le comité existe et il est bel et bien fonctionnel. Alors, nous avons proposé que, notamment dans l'organisation et le fonctionnement, c'est-à-dire dans les activités du CERMICOL, que la participation des enfants soit effective. Et là, nous avons donné quelques exemples. Moi, personnellement, je suis en train de réviser le texte juridique qui crée et qui organise le fonctionnement du CERMICOL. Et parmi ces textes, il y a le code de bonne conduite des enfants dont j'ai trouvé le draft, mais qui a été rédigé sans l'implication des enfants. Donc maintenant, on est d'accord avec le directeur et avec l'équipe du CERMICOL que lorsque nous allons organiser les ateliers de validation de ces textes, que le comité des enfants soit représenté pour donner quand même son avis sur des dispositions qui concernent sa vie au centre, qui concernent les règles de bonne conduite qui régissent la vie et les activités au centre. Donc, ça, c'est un premier axe. On est bien d'accord avec le comité du CERMICOL. Bon, nous avons également proposé, parce que le CERMICOL a parmi les activités de production, un poulailler. Donc, au sein du CERMICOL, il y a un service de production et il y a des activités d'agriculture, d'élevage qui se réalisent là-bas. Alors, on a cherché à savoir quelle était la participation des enfants dans ces services. En tout cas, au départ, il n'y en avait pas. Maintenant, nous avons proposé et les services de production ont mis en place un comité de gestion des activités de production, notamment pour les activités d'élevage. Et les enfants, à travers les comités, font maintenant partie de ces comités de gestion et ils vont prendre part à tout le processus. Donc, leur rôle, comme on a discuté avec les directeurs, ne devrait pas se limiter à faire le ramassage des œufs, mais vraiment à contribuer dans la participation. Merci. Et je sais que je suis à la dernière minute. Et puis, dans le règlement intérieur, il y avait été prévu plus de sanctions pour les enfants qui feront ça. Ils vont être sanctionnés. Mais nous avons proposé également qu'on mette des règles, comment on appelle ça, dans le règlement de bonne conduite, qu'on mette quand même des sanctions positives. Donc,
les enfants qui vont respecter le règlement du CERMICOL devraient quand même à la fin être récompensés, du genre les autoriser par exemple à aller visiter les parents, c'est une forme de sanction positive. À la place où peut-être les autres qui se sont mal comportés ne vont pas être autorisés à faire de visite en famille, mais ceux qui se seraient bien conduits ou conduits vont être, par exemple, autorisés à visiter leur famille. Donc, la notion de sanction positive a aussi été intégrée comme pour susciter la participation des enfants à se comporter dans le respect des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de cette école. Donc, voilà en quelques mots. Un apport à ces niveaux de participation que les coopérants volontaires ont amené dans le fonctionnement du CERMICOL. Et je dois avouer que ça a été très bien reçu par le directeur de l'ensemble du personnel du CERMICOL. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Odon et Zerbo, pour cette présentation. Je pense que vous avez donné des exemples très intéressants justement sur comment vous avez mis en place plusieurs activités, comment vous avez mis en place le comité des enfants et comment, en fait, vous, donc l'administration pour mineurs est vraiment adaptée donc, dans votre organisation. Donc, merci. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à Eden qui va nous parler un petit peu plus de l'éducation qui est vraiment au centre de leur savoir-faire. Donc, je donne la parole à Monsieur Mbaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est Massam Mbaye. Je suis directeur du Centre socio-éducatif Eden. Donc, Eden est une ONG sénégalaise basée dans la banlieue de Dakar qui s'active dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Donc, nous sommes très heureux de cette implication donc, et de participer aussi à cette causerie. Maintenant, nous avons été choisis donc, pour faire une communication donc, sur l'éducation. Donc, l'éducation, un droit fondamental de l'enfant, donc, un pilier sur lequel aussi le Sénégal s'appuie donc, pour atteindre l'émergence vers l'horizon 2035. Par rapport à l'éducation des filles, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, le taux de scolarisation des filles est à 91,6%. Donc, il dépasse largement celui des garçons. Mais encore, il y a des défis et des obstacles sur lesquels nous allons nous absenter. Diapo. Diapo. Je disais tout à l'heure par rapport à l'éducation des filles, même s'il y a des progrès qui ont été notés au fil des années, il faut relever quelques obstacles. Je dis le taux de scolarisation est assez satisfaisant, donc il dépasse celui des garçons. Mais en termes d'obstacles, on peut les séparer en deux niveaux, voire trois même. Il y a des obstacles institutionnels, relativement à l'inaccessibilité ou l'inadaptation de certaines écoles, donc du fait de la distance, donc certaines écoles s'est éloignées, le coût de la scolarisation, donc qui parfois n'est pas à la portée des populations, et les abris provisoires, ça veut dire que c'est des écoles de fortune, donc qui ont été construites, et aujourd'hui, ils sont au nombre de 6 000, donc c'est l'étendue du territoire. L'autre obstacle institutionnel relevé, c'est l'insuffisance de latrines, de sources d'eau potable, l'électricité dans certaines écoles. Bref, les commodités nécessaires donc pour un bon accueil de ces enfants-là au niveau de ces établissements. L'autre élément important aussi, c'est l'absence de documents d'état civil. L'enregistrement des enfants à l'état civil pose problème. Et on constate qu'aujourd'hui au Sénégal, le taux de scolarisation des enfants est à 73%. Donc il y a encore un défi à relever à ce niveau. Et le constat aussi, c'est qu'il y a moins de filles qui sont déclarées à l'état civil. Relativement aux obstacles socio-économiques, on a relevé l'insécurité, hein, donc les violences en milieu scolaire, et même sur le chemin de l'école, les enfants peuvent faire l'objet aussi de maltraitance. Le mariage précoce des enfants, des filles particulièrement, avec toutes les conséquences, mariage précoce, grossesse précoce, etc. Et l'emploi des filles aux tâches domestiques, hein, donc les filles qui sont de plus en plus utilisées dans les tâches domestiques, donc aide à la famille, dans les travaux, etc. Faible revenu des parents, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation a un coût par rapport à certains parents qui n'ont pas assez de possibilités, l'éducation est devenue chère. L'autre niveau qui est relativement en lien avec la discrimination, donc cette préférence des parents-là, quand les moyens ne suivent pas, de donner plus de sens aux garçons qu'à la fille, qui pour certains est tôt ou tard appelée à se marier. Prochain diapo.
diapo. Voilà. Maintenant, par rapport à la contribution de l'ONG EDENS sur l'éducation des filles. Donc, comme son nom l'indique, éducation et développement de l'enfant, EDENS s'appuie beaucoup sur l'éducation des enfants, particulièrement ceux qui sont les plus défavorisés. C'est ainsi que depuis 2005, nous avons ouvert un centre socio-éducatif donc, qui permet l'insertion et la réinsertion des enfants défavorisés, notamment les filles. Et de 2005 à 2021, nous sommes à 5977 enfants, dont 55% de filles qui ont été enrôlées au niveau notamment au CI, avec le comité national, le national des enseignants pour la scolarisation des filles, SENESCOFI. Nous avons contribué aussi à la promotion de la scolarisation des filles en sensibilisant les communautés. Et nous avons même participé à des études sur la situation de l'éducation des filles, particulièrement dans la banlieue où nous intervenons. Et cette situation, étude situationnelle sur l'éducation des filles, nous a permis d'identifier certaines zones de résistance et obstacles sur lesquelles nos interventions sont orientées. Diapo. Diapo suivant. Suivant, diapo, voilà. Hein, toujours dans cette contribution, comme je disais tout à l'heure, donc c'est en termes de résultats, quelques 5977 enfants, dont 55% de filles qui sont enrôlées au niveau du centre éducatif. Dans le cadre de la mobilisation de la sensibilisation, nous contribuons à la célébration de la journée internationale des filles du 11 octobre. Et la constitution des toilettes séparées. Ça, à l'école, c'est pour mettre les filles dans de meilleures conditions. Le renforcement des capacités du personnel enseignant, donc pour c'est la pédagogie différenciée, la discipline scolaire, leur genre, les premiers secours psychologiques. Donc tout ça, c'est pour prendre en charge les besoins spécifiques des enfants, particulièrement des filles, la dotation des cours scolaires relativement au coût de la scolarité qui parfois n'est pas à la portée des populations. Et surtout, les cours de renforcement, de rattrapage scolaire, donc pour certains enfants qui ont des niveaux qui ne sont pas assez élevés. Chapeau. Maintenant, pour les défis, il laisse encore des défis malgré les avancées. C'est d'accroître les ressources et les programmes ciblés qui permettent de s'attaquer vraiment aux facteurs socio-économiques qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont spécifiques et qui privent aussi les filles de leur éducation, notamment dans les zones de résistance. Et d'éradiquer les mariages précoces, qui sont aussi une limite par rapport au maintien des filles à l'école, qui permettrait à des milliers de jeunes enfants, notamment des filles, de pouvoir accéder, mais ensuite surtout d'être maintenus à l'école. D'améliorer l'environnement physique des écoles avec plus de confort, donc les toilettes séparées, filles-garçons, les points d'eau, les murs, les cantines scolaires qui encourageraient encore les filles à rester plus de temps à l'école. Et de garantir aussi un environnement sûr et protecteur en respectant l'équité de genre, donnant les mêmes chances aux garçons et aux filles d'accéder à l'école, mais surtout d'être maintenus. Je vais laisser le soin à M. Goro Palenfo, donc le volontaire qui a aidé depuis mi-avril. Donc, voilà, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter au niveau des violences faites aux enfants? On va s'attaquer aux cas les plus fréquents. Hein, et comme il a souligné dans son intervention, c'est beaucoup plus les cas d'absence de documents d'état civil. Voilà, c'est beaucoup plus accru chez les filles. Et on sait que quand il n'y a pas de document d'état civil, il y a des difficultés au niveau de l'inscription, même à l'école, et surtout au moment de passer ça nécessite des efforts supplémentaires pour, en tout cas, donner ces documents d'état civil aux enfants. Il y a aussi les violences sexuelles qui sont faites aux enfants, avec notamment les filles, avec le corollaire de grossesse précoce. Donc, c'est les principales violences qui sont traitées par les centres EDEN. Il y en a beaucoup plus, mais on va en tout cas rester sur ces trois-là. Maintenant, je dirais, diapo suivante, qu'au niveau de EDEN, il y a un service, on l'appelle un bureau d'accueil. Donc, le bureau d'accueil et d'écoute, il est chargé, comme son nom le dit, de recevoir, d'accueillir les enfants qui sont victimes de violences, de maltraitance, soit que ces enfants qui viennent d'eux-mêmes, soit que c'est des enfants qui ont été accompagnés par l'un des parents ou les deux parents
soit c'est des cas de signalement. Donc, ils reçoivent les enfants, ils les écoutent, ils les orientent. Et par moment, ils font une prise en charge sur place. Et c'est nécessaire aussi, ils font de la médiation avec la famille au cas où c'est la famille qui est mise en cause. Et quand la situation ne relève pas vraiment, ou du moins tout l'aspect d'accompagnement ne relève pas, donc de Eden, donc ils font un référencement au niveau des services, des structures partenaires. Diapo. Donc, l'intervention de IBCR, ou du moins la collaboration avec IBCR, a permis au centre Eden d'avoir un coopérant déployé sur place. Et quand le coopérant est arrivé, donc quand je suis arrivé, j'ai parcouru rapidement ce que Eden fait et j'ai vu que Eden travaille beaucoup sur le terrain. Mais en tant que structure, ils n'ont pas, j'allais dire quoi, des documents, des guides qui peuvent les orienter de telle sorte que si demain l'équipe n'est pas là et que si des nouvelles personnes arrivent, que les personnes puissent continuer sur la guide. Donc, on a travaillé ensemble à mettre en place un guide de formation sur la protection de l'enfant. Et j'ai travaillé aussi avec le bureau d'accueil pour voir un peu comment ils constituent les dossiers des enfants qu'ils accompagnent et les outils qu'ils utilisent aussi pour accompagner ces enfants-là. Et en dehors du guide de formation qu'on a créé ensemble, on a créé des outils de suivi, évaluation et de capitalisation. Comme je l'ai dit, Eden, c'est plus de 25 ans de travail sur le terrain. Donc, il est nécessaire qu'à un certain moment, on puisse disposer des outils qui permettent de suivre tous les projets qu'Eden met en œuvre et qui permet aussi de capitaliser tout ce qui est fait pour, en tout cas, garder la mémoire aussi de tout le travail qui est abattu. Donc, et c'est ça que j'ai mis dans le grand lot de renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et systémiques de l'ONG Eden. Donc, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, on pourra revenir après pour répondre. Merci. Merci beaucoup, Goro. Merci, Monsieur Mbaye, pour ces présentations. J'aimerais donc ouvrir, avant peut-être nous, on a beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être ouvrir aussi les questions au public. Si vous souhaitez poser des questions, je vais vous demander soit de l'écrire dans le Q&A ou seulement de lever votre main si vous souhaitez la dire à voix haute et échanger avec nos panélistes. Sans plus tarder, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vais laisser la parole à ma collègue Diela, qui va partir le bal de cette table ronde. Merci beaucoup, Patricia. Merci à notre cher panéliste et partenaire et volontaire pour ces exposés qui sont fort intéressants. Alors, je pense qu'en attendant d'avoir les premières questions, moi, j'aimerais revenir un peu sur la participation de l'enfant parce que les différents partenaires ont partagé sur différents mécanismes, en tout cas, qui favorisent la participation de l'enfant au niveau de leur structure. Au niveau du CERMECOL, nous avons les comités des parents, les comités des enfants, en fait. Voilà, excusez-moi. Et au niveau du club Eden, il y a beaucoup les clubs d'enfants qui sont aussi partie prenante au niveau des activités du centre socio-éducatif et des activités de plaidoyer. Donc, d'où ma question, comment est-ce que vous faites, en fait, au quotidien pour démystifier un peu cet aspect de participation de l'enfant? Parce qu'on sait que plusieurs organisations voudraient le mettre en avant, mais considèrent que c'est plutôt difficile de le faire. Donc, j'aimerais avoir votre avis selon vos expériences. Comment est-ce que vous vous prenez? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que cela soit effectif au niveau de vos structures? Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, peut-être ouvrir le micro. Je sais. Peut-être. Oui, Monsieur Mbaye, allez-y. Là, merci, Djaila, pour cette pertinente question sur la participation des enfants, les principes directeurs de la Convention des droits de l'enfant. Donc, à Eden, nous sommes lancés dans la participation des enfants depuis 2002, donc à travers des cadres qu'on appelle des clubs d'éducation aux droits de l'enfant.
En fait, c'est parti du constat que le Parlement national des enfants, qui est censé prendre en compte les besoins de tous les enfants du Sénégal, est en l'air depuis quelques années. Il fallait des alternatives. C'est dans ce sens-là qu'au niveau communautaire, a commencé à installer ce qu'on appelle les clubs d'éducation aux droits de l'enfant. Donc, qui sont des cadres de participation des enfants pour le respect de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas parler des droits de l'enfant sans évoquer les devoirs de l'enfant. Et maintenant, par rapport à la démarche, donc c'est au niveau des écoles et au niveau des quartiers. Au niveau des écoles, c'est le directeur qui désigne un maître encadreur, donc qui s'assure d'accompagner les enfants. Il y a une assemblée générale qui est organisée, un bureau qui est lié avec différents postes qui sont chargés d'élaborer un plan d'action et de dérouler des activités. Maintenant, ces activités-là donc, sont lancées le 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant, et clôturées le 16 juin. Donc, hier, on a organisé une grande mobilisation sociale donc, de clôture des activités dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain. Maintenant, en termes d'activités d'animation, comme je disais tout à l'heure, le cadre, il existe. Il y a un encadreur adulte, volontaire, et un enseignant au niveau de l'école qui est chargé de les accompagner, de les suivre. Maintenant, toutes les initiatives maintenant partent des enfants. Donc, ils élaborent le plan d'action. Chaque année, il y a des thématiques qui sont développées, qui sont proposées aux enfants, qu'ils inscrivent dans le plan d'action. Ça se déroule sous forme de sessions de renforcement de capacités. On mise beaucoup sur la formation, sur l'amélioration de leurs connaissances, les droits de l'enfant. Mieux, pour nous, la participation des enfants, en fait, ce n'est pas une revendication, c'est un comportement. On mise beaucoup sur la citoyenneté, sur le civisme. Ensuite, les responsabiliser les enfants dans ce cadre-là pour mener des activités de sensibilisation, surtout de protection de leurs pères. Donc, on sait que peut-être les adultes ne peuvent pas les suivre partout. Donc, le fait de renforcer les capacités, les appuyer, les permet d'être ce qu'on appelle le jeu des acteurs de changement, de porter en fait le propre droit de savoir les revendiquer. Maintenant, de renforcer maintenant, les capacités sur différentes thématiques, sur les techniques de communication, sur le leadership, sur l'estime de soi. Donc, afin qu'ils puissent en tout cas être aptes, en tout cas, de défendre le droit partout où besoin se fait. Donc, c'est dans ce sens-là que Eden évolue depuis quelques années. Maintenant, ça a donné d'autres initiatives, ce qu'on appelle les conseils municipaux d'enfants. Donc là, c'est à l'image du conseil municipal d'adultes. Donc, c'est préparer les enfants à l'existence de la citoyenneté, de mandat électif demain. Donc, surtout au niveau de la collectivité territoriale. C'est le renforcement des capacités, c'est un plan d'action qui est élaboré en termes de formation, d'activité de sensibilisation, de loisirs, de sport, etc. Voilà, en bref, ce que Eden fait dans le domaine de la participation des enfants. Merci, M. Mbaye. Et on commence à avoir des questions du public. Peut-être la première question. Odon, comment et par qui est assurée la sécurité de l'établissement? Ben, ça s'adresse aussi à M. Zabo. Donc, sachant que c'est un centre pénitentiaire ouvert, qui sont tous ces gens-là qui travaillent au centre? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est mieux que M. Zerbo réponde à cette question, mais comme j'ai la parole, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de Diela par rapport à la participation, si vous permettez. Je pense qu'au niveau du CERMICOL, je demande à M. Zerbo de parler aussi de la trajectoire parce que ça permet déjà de voir à partir de quel moment les enfants sont impliqués et des éléments qui assurent la participation des enfants. Mais nous, quand nous sommes arrivés, donc nous coopérants, nous avons remarqué déjà qu'il y avait en fait, le CERMICOL, c'est un service public, hein, donc c'est un service de l'État. C'est peut-être différent de DEN qui est une. Bon, bien qu'il travaille avec les enfants, c'est vrai, mais c'est un centre pénitentiaire, donc il est compté parmi centre pénitentiaire du pays où on devrait avoir des gens avec armes, une clôture bien sécurisée, tout ça. Mais au-delà de cet aspect physique, nous avons plutôt trouvé un climat très, très serein, c'est-à-dire que M. Zerbo et son équipe prennent vraiment les enfants comme les enfants, donc comme même leurs enfants, je veux dire. Et donc, cette relation-là entre l'équipe dirigeante du CERMICOL et les mineurs en conflit avec la loi facilite déjà d'assurer la participation. Donc, c'est fort de tous ces éléments que nous, on a constaté déjà que dans la trajectoire mise en place par le CERMICOL à l'arrivée de l'enfant, il est accueilli par tel service. Je crois que M. Zembo peut revenir là-dessus.
il y a déjà une orientation qui s'est faite, et notamment dans le choix du métier, comme M. Zerbo avait dit tout à l'heure. C'est vrai qu'au final, c'est l'enfant qui choisit le métier qu'il veut, mais avant son choix, il est pris en charge par le service social qui lui explique les avantages de chaque service et qui, à la suite de l'évaluation des capacités et du niveau de développement de l'enfant, peut lui proposer une orientation à prendre. Et au final, c'est vrai que c'est l'enfant qui décide, je veux ce service, je veux ce métier, mais il y a quand même déjà cette implication en amont du service social de Sermicol pour assurer cette participation de l'enfant. Alors, par rapport à la question sur qui assure, bon, je vais frôler, M. Zerbo va revenir. Il y a des surveillants. Donc, le Sermicol est constitué des agents pénitentiaires. Donc, ce sont des gens formés à l'école comme agents de services pénitentiaires. C'est eux qui gardent le centre. Mais comme nous avons vu dans les images, le centre est un centre ouvert. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de grille. Mais il y a un personnel de sécurité qui est en civil, donc il ne porte pas de tenue. Même M. Zerbo, quand je l'ai vu en tenue la première fois, il l'a touché en main, mais il n'avait pas au corps, parce que c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas de tenue, ils ne sont pas autorisés de porter les armes. Peut-être qu'ils peuvent les avoir dans leur bureau, dans leur voiture, mais ils ne les portent pas. Mais c'est eux qui assurent la garde et la sécurité et du centre et des enfants comme agents pénitentiaires. Voilà. Donc, M. Zerbo peut peut-être me compléter là-dessus. OK. Merci. Merci bien, Odeur. Merci pour la question. C'est juste pour dire qu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui est au centre, qui est composée de surveillants, d'éducateurs spécialisés, de moniteurs, d'alphabétiseurs. Et également, nous avons des braves dames qui font la cuisine pour les enfants. Et le personnel qui assure la sécurité est un personnel pénitentiaire. Et ce personnel pénitentiaire, comme on les appelle communément des surveillants, ce sont des surveillants. Ils sont là et ils sont, comment on appelle ça, on les a subdivisés en brigades, comme on a l'habitude de dire. Il y a une rotation, ils font la garde 24 heures sur 24 et ils sont en contact avec les enfants à tout moment. Maintenant, ce personnel ne porte pas la tenue comme on l'a dit tantôt. Ils ne portent pas la tenue, ils sont en tenue civile avec les enfants. Nous avons également des armes, mais ces armes-là ne sont pas utilisées pour escorter les enfants, non, pas du tout. Ces armes sont dans le magasin. On les utilise tard dans la nuit pour faire les rondes avec. Et là, ça, c'est juste pour protéger les installations. Donc, c'est pour dire qu'il y a un personnel qui est là, surveillant, qui est là, qui assure la sécurité des enfants 24 heures sur 24. Nous n'avons pas de clôture. Et pour également rebondir sur la question de la participation, comme Odon a dit tantôt, les enfants, ils arrivent, ils sont accueillis à un comité d'accueil qui est là, qui accueille les enfants. Et après ça, les besoins, on essaie d'évaluer les besoins de l'enfant, les besoins primaires de l'enfant, côté santé, côté alimentation, et pour pouvoir satisfaire aux besoins de l'enfant. Et l'équipe socio-éducative procède à l'entretien avec les enfants. Et à l'issue de ça, l'enfant fait le tour de pratiquement tous les ateliers pour voir là où il peut vraiment commencer à s'entraîner pour un futur métier. Et à la suite de ça, le service socio-éducatif échange avec l'enfant, essaie de l'orienter. Mais au final, c'est l'enfant qui décide là où il est. C'est lui qui décide. Et quant à la question de Dieu là, bon, on se rend compte que ce n'est pas du tout facile parce que dès les premières heures, les gens étaient réticents, surtout les surveillants. On veut donner plus de droits aux enfants et à la fin, les enfants vont nous frapper au centre. Non, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Dès lors, on commence à responsabiliser les enfants dans les dortoirs. On dit, toi, tu es le responsable de ce dortoir, tu es chargé de l'hygiène, d'entretenir et puis de suivre les autres pour l'entretien des dortoirs. Bon, quelque part, c'est une responsabilité. Donc, il faut permettre aux enfants également de participer à la vie du centre. Et avec la sensibilisation venant des coopérants, je me dis que
on a pu vraiment gagner et on a mis en place le comité. Et le comité également est géré par l'équipe éducative, le responsable du service social qui à tout moment fait des activités de sensibilisation avec ce comité pour essayer de les recadrer dans tout ce qui est la décision à prendre. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Zerbeau. Peut-être prendre une dernière petite question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pour Eden cette fois-ci, alors, Mme Touré demande, je voudrais savoir, est-ce que l'éducation au droit à son corps, au consentement, fait partie des programmes enseignés au centre éducatif? Est-ce que les enfants participent à l'élaboration de ces programmes de formation? Donc, c'est une question assez large avec beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si M. Mbaye ou Gouraud peuvent répondre brièvement à cette question, si c'est prévu. Je vous laisse la parole. Effectivement. Donc, merci. Maintenant, le centre, c'est un centre d'insertion et de réinsertion scolaire. Donc, nous prenons des enfants parfois qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, des enfants qui n'ont pas pu réussir dans l'école publique, des enfants dont les parents n'ont pas en tout cas les moyens de les inscrire à l'école. Donc, nous les prenons en charge. Maintenant, une fois inscrits à l'école, ils suivent le programme officiel du Sénégal. Parce qu'arrivé en classe de CM2, on a deux sections, on a le préscolaire et l'élémentaire. Donc, une fois arrivé en classe sixième année de l'élémentaire, ils se présentent à l'examen. Maintenant, s'ils réussissent, ils prennent le certificat de fin d'études et l'entrée en sixième, ils sont orientés dans les collèges publics de la place. Maintenant, à côté de ce programme officiel du Sénégal, l'originalité, c'est vraiment les activités que nous intégrons. Beaucoup d'activités socio-éducatives et pédagogiques, donc, qui se déroulent même en dehors de l'école, des activités extramuros. J'ai parlé des clubs Eden tout à l'heure. Donc, l'école a son club Eden qui présente chaque année un plan d'action réalisé, présenté par les enfants et réalisé par les enfants. Donc, en termes de sensibilisation, sur l'hygiène, sur la propreté, ensuite d'autres activités socio-éducatives, parce qu'en dehors de l'enseignement classique, donc cette touche-là d'activité socio-éducative permet ensuite de faire passer d'autres messages dédiqués à la citoyenneté, sur le développement durable, etc. Donc c'est ce paquet de services que nous offrons qui vient en complément du programme officiel scolaire, donc qui permet aux enfants non seulement de bénéficier de l'enseignement comme de le droit, de pouvoir poursuivre leur cycle scolaire une fois admis à l'entrée en sixième, mais surtout de renforcer leurs compétences sur d'autres domaines, sur la citoyenneté, sur le civisme et sur la prévention de certaines maladies. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Peut-être, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps non plus, mais on a une main levée. Attends. Oui, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux panélistes. Bonjour. Voilà. Moi, c'est Joël Yeloassi. Je voudrais savoir, par rapport au CERMICOL, dans la présentation, M. Zerbeau a montré que lorsque les enfants arrivent, ils parcourent les différents ateliers, ça leur donne la latitude de choisir ce que chacun veut faire. Ma question, lorsque, par exemple, dans les différents ateliers, l'enfant n'a pas son choix là. Je suppose que dans les ateliers, il y a le poulailler, comme ils ont dit, il y a la pâtisserie, il y a la couture, et que l'enfant souhaite apprendre, par exemple, la coiffure et qu'il n'y a pas la coiffure là, comment ils arrivent à convaincre l'enfant à choisir ce qui est là pour qu'il s'insère socialement? Je le dis parce qu'à Abidjan, on a rencontré un cas comme ça dans la réinsertion des enfants où le jeune ne veut pas les différents métiers qui sont dans le centre. Le jeune ne veut pas ces métiers-là. Il veut aller ailleurs. Or, le projet dit, voilà les métiers que tu dois choisir. Voilà. L'enfant, là, il a été frustré. On a essayé de le convaincre à rester. Mais après, il a fui, il n'a pas resté. Et après, il s'est retrouvé encore au com. Donc, comment vous arrivez à convaincre les enfants quand leur métier qu'ils veulent n'est pas là? Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse répondre en une petite minute. OK, merci beaucoup. Et je vous avoue que ce n'est pas du tout facile. Mais dès lors que l'enfant vient, on essaie de lui présenter les ateliers qui sont
les ateliers de souris, ménagerie, ainsi de suite. Et on dit à l'enfant, tu fais le tour et tu choisis l'atelier que tu veux. Bon, jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas confrontés à cette question-là. Mais j'ai un petit cas sous la main. Il est arrivé, il dit que lui, il est apprenti chauffeur. Et lui, il veut rentrer dans un camion pour aller voyager. Il dit non, mais ici, tu ne peux pas voyager parce que c'est un centre. On t'a amené ici pour apprendre un métier. Nous n'avons pas de camion dans lequel on va te mettre pour que tu puisses aller à Lomé, à Cotonou et à c'est ce qu'on peut faire là. Tu fais le tour des ateliers et après, on va discuter. Bon, finalement, il a fait le tour des ateliers. Il dit, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Lui, il va prendre la mécanique auto, moto, parce que ça colle un peu avec ce qu'il faisait dehors. Est-ce que vous voyez? On s'est déjà travaillé à convaincre les enfants à choisir le métier. Mais si vous n'avez pas l'atelier à votre niveau et que l'enfant décide de faire ce travail, ça risque d'être compliqué. On n'a pas les moyens d'amener l'enfant à l'extérieur de l'établissement pour qu'il puisse apprendre et puis le ramener chaque jour. Ça va dépenser beaucoup, demander beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. C'est de travailler à convaincre l'enfant et en faisant des entretiens avec lui, surtout mettre l'équipe socio-éducative dire à l'équipe socio-éducative de beaucoup travailler avec l'enfant, de communiquer avec l'enfant pour pouvoir le convaincre. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Zerbo. Donc, je ne sais pas si Théophane, vous vouliez peut-être un petit mot de la fin, justement, pour sur la démystification de la participation de l'enfant. Je sais que c'est quelque chose qui est présent, justement, dans la CDE, mais pas nécessairement. Dans la charte africaine, on parle plutôt de la responsabilité de l'enfant. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit... on a ouvert une boîte de Pandore, là, mais peut-être... faire un petit mot là-dessus, parce que ça joint quand même pas mal le travail du Sermicol et le travail de Eden. Oui, tout à fait. En fait, mais peut-être avant de répondre à ça, Patricia, tout juste pour dire, parce que je n'ai pas avoir vu une question par rapport à la valeur juridique ou bon, de la charte. En fait, la charte, en fait... est une, comment dire, les États membres sont tenus, en fait, de domestiquer. Ils doivent prendre la charte et la traduire maintenant dans leur contexte, en texte juridique, qui a valeur juridique. C'est pour dire que ce n'est pas parce que la charte a dit telle chose que ça va s'appliquer automatiquement de manière, comme c'est mis dans la charte, dans le pays. Ça va être adapté au contexte. Donc, les pays vont faire des lois en fonction de ça, et c'est ça maintenant qui aura une valeur juridique au Burkina Faso, au Congo, et ainsi de suite. C'est pas la charte en tant que telle. Pour ce qui est de la participation, si la charte africaine aussi effectivement parle de la participation de l'enfant. Et je trouve que c'est un élément important pour l'enfant de participer en fait à son devenir. Et je pense que ce que Sermicol a fait déjà avec le comité d'enfants, je pense que ça déjà c'est une très bonne chose parce que cela permet justement aux enfants de contribuer, de participer à la gestion d'une manière ou d'une autre. De ce centre. Il serait aussi peut-être important de voir dans quelle mesure, justement, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il peut participer à déterminer les formations. Bon, je pense ça aussi, c'est peut-être quelque chose que Sermicol devrait faire, mais ça veut dire, bon, ça demande beaucoup plus de moyens, certainement, et ça, c'est quelque chose, certainement, qui doit se faire au fur et à mesure donc que les choses avancent. Donc, c'est pour dire, la charte, effectivement, comme le rappelle quelqu'un, a une valeur contraignante, mais c'est au niveau maintenant des différents pays que la charte doit être interprétée, domestiquée, on doit changer les lois et autres en fonction justement de la charte. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Théophane, pour cet éclaircissement. Je pense qu'on a passé à travers pas mal
de beaux sujets aujourd'hui. Je veux remercier chacun de vous, Monsieur Zerbo, Monsieur Mbaye, Monsieur Palinfo, Monsieur Nikema, Monsieur Moupépé, ma collègue Zella, mes deux collègues Marielle et Morag, pour cette première édition des causeries. Comme vous le voyez, chaque thématique est autant aussi intéressante. Il y a pas mal de questions, ça suscite beaucoup de sujets et de dialogues. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris le temps de nous présenter un peu chacun, ce que chacun de vous faites. Je remercie aussi à tous ceux et celles qui ont participé à l'événement. À la fin de l'événement, juste pour vous dire, il y a un sondage qui devrait apparaître. Donc, on vous invite à y répondre, donc à des fins de pour améliorer les prochains événements. Donc, c'est avec ça que j'aimerais conclure cette première séance des causeries. Si vous voulez en apprendre plus sur le Cermicole, sur Eden, je vous invite à aller visiter leur site web. Dans la section du Pride du Bureau international des droits des enfants aussi, vous avez une section blog, donc avec des blogs là, qui vont sortir dans les prochaines semaines, justement, sur ce que font les volontaires, le travail, justement, de nos partenaires au programme de coopération. Donc, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller sur notre site web, sur nos réseaux sociaux aussi. Donc, sur ce, j'aimerais conclure cette séance et vous remercier encore une fois d'avoir été là. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye.